Yo les gens, c'est The Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve sur Horde of Fight, un jeu RPG donc que je viens télécharger, que je voulais vous présenter et qu'on va découvrir ensemble. Parce que je voulais voir, parce que ça faisait un moment que j'avais pas joué à un jeu RPG et qui ne joue pas en ligne. Donc c'est parti, nous commençons la partie. Sur le début, alors cher utilisateur, pour continuer à jouer et vos données confirmer que vos données avaient lieu et quoi, je peux changer de. Non, je peux pas changer. Okay. D'accord, alors ça se joue avec le pouce. Je suis pile à l'heure. Il essaie encore d'apaiser les esprits. Et ici, ne me regarde pas comme ça. Je meurs pas. Je vais t'aider à sortir d'ici, puis je t'expliquerai tout. Qui es-tu? Où suis-je? Je suis l'apprenti du grand maître et de j'aide tous ceux qui ont été sacrifiés comme toi. Alors j'ai été sacrifié, donc je suis mort, j'imagine. Comme toi, je ramène les survivants au camp là-haut. Ok. Penses-tu que tout le monde s'est fait instantanément avaler ici? Je vais te dire la vérité, pas comme les gens du village. Le mal est bien présent dans cette catacombe, putain. Mais il est bien plus puissant que ce que tout le monde pense là-haut. Tu découvriras. Alors, il est tard, hein. Désolé pour la lecture qui va être compliquée. Pas comme toi et toi-même et comme le temps voulu, mais. Ok, alors, parfait. Cette arme peut combattre des monstres. Ok, donc j'ai eu une épée. Pour équiper l'objet, déposez-le dans ton. C'est l'heure de tester ton aptitude. D'accord. D'accord, ils sont pas si puissants, heureusement, les rats. Quatre mises à niveau sont effectuées dans le journal. Alors, retrouver, ok. Attends, il y a un coffre. Ça a l'air sympa comme jeu quand même. Bon, pour le moment, c'est facile, hein, c'est le tuto, c'est tout à fait normal. Donc, retournons voir l'apprenti. Bon travail, et tu seras prêt pour le travail. En rien de temps, oh, mais tu es blessé, bois cette potion pour te guérir. Ok. Tu as l'air bien meilleur en forme, prends plus de potions. Ok, elle m'a donné plus de potions. Trouve la sortie qui mène en bas. Ah ouais, t'es comme ça, toi, tu TP comme ça. Ok, KNM. Alors, potion légère de santé. Ok. On s'attaque au rare, hein. De toute façon, si. C'est avant tout un RPG de combat, donc. Alors ce jeu, comme je vous le disais, il est non en ligne. Ça veut dire que ne vous trouverez aucune personne qui joue en ligne.
Continue à parcourir le donjon. Une fois que tu as trouvé la sortie, tu pourras y revenir automatiquement. Et au niveau suivant, non. Il y a le rat. Oui. Alors c'est parti. Fait mal le squelette là. Ça va, la vie tient quand même bien la route. Ils font quand même mal les squelettes, hein. J'imagine qu'il y a des trucs qui peuvent pas s'ouvrir. Peut-être que j'ai pas le bon truc. Petite potion pour se guérir. Ou sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification, de mettre des pouces, de gros pouces bleus, de partager, de mettre des commentaires. Puis voilà. Surtout partager et surtout vous abonner, c'est toujours ça de bien. Pendant qu'il n'y a pas vraiment d'action, puis en plus de ça, il n'y a pas trop de son, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Oh, il y a le mage. T'aurais pu me téléporter. Aurait pu me téléporter en même temps que lui. Alors, félicitations, tu as réussi, je suis impressionné. Ton courage, j'ai encore besoin de toi. Ok, des gants. Ouais, carrément. Hache normale. Épée normale. Victoire. Étage nettoyé. Deux monstres vaincus. 30 sur 30. Bienvenue au camp, ici tu peux recharger ton endurance, améliorer ton équipement, obtenir des potions pour tes aventures. Ne traîne pas, j'ai besoin de ton aide pour sauver le maître. Qui est-il au maître? Il est tombé dans un piège magique alors qu'il essayait de venir au bout d'un monstre très puissant. Pour de non finir ce qu'il a commencé. Ok. Voilà. Ouais, ok. Voyons voir ce qu'il nous a donné. C'est quoi ça? Poussière. Pierre rare. Ok. Nous avons un coffre à ouvrir. Nous avons des pièces. Ah d'accord, c'est les jours. Ok. C'est quoi ça?
Encore un jeu à payer, ça c'est pas nouveau. Ouais. Ok. Alors pour passer l'inventaire, j'ai. Merde. Ok, d'accord. Et j'ai pas regardé. Ok, d'accord. Et ça se remet automatiquement dans mon inventaire? Dans mon. Ah ouais. J'ai pas vu, attends. N'est pas en bois. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Atelier. Ok, d'accord. Ok, ouais, ça a l'air sympa. Comme petit procédé. Allez, continuons notre aventure. Donc, je pense qu'il y aura une vidéo tous les jours. Conseiller ultime. D'accord, un programme. Niveau supérieur, tu as gagné une nouvelle aptitude. Attends, ok. Donc j'ai appris une compétence là. Ah ouais. Ah d'accord. C'est sympa, c'est un peu, tu sais, c'est très calme comme jeu quand même. Chien diabolique.
Oh, c'est très calme, je trouve. Je suis content de l'avoir trouvé, ce jeu, mais bon, c'est juste un jeu de présentation. Moi, je vais pas continuer sur ce jeu. J'ai d'autres jeux à faire. Et puis, j'ai des jeux à vous présenter, donc. Non, franchement, il est sympa. Franchement, pour faire des vidéos le soir, tranquillement, sans vous prendre la tête, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment un jeu qui est calme en fait. Oh, il y a des sorcières maintenant. Je vais arriver plus tard. Heureux les amis, donc il y a eu, je pense que vous avez remarqué, il y a eu une ellipse. Parce que maintenant compte fait, j'ai mis la vidéo et je voulais pas la mettre en fait. Journal d'aventurier, je suis ma descente. Aujourd'hui, j'ai été pris dans un embuscade par deux énormes rats. J'ai failli y rester. J'ai eu la chance d'avoir trouvé cette nouvelle épée. Peu de temps avant, j'ai très peur, mais continué à chercher ma femme. Ok, donc il y a un aventurier dans les catacombes, donc il cherche sa femme. C'est quoi cette chose? Limaz. Suis content de t'avoir trouvé, sois prudent. Ok, merci. Et tu m'as filé un bonnet. Un bonnet qui ressemble à rien. Oh, le bonnet. C'est une horreur, le bonnet. Le seul truc qui est lent, c'est les téléchargements. On tue tout le monde, hein. Chevalier. Ils sont comme ça, les chevaliers. Ils font pousser des arbres.
quoi ces chevaliers? Peut-être en les gardant, ouais, je crois pas. Il le dirait sinon. C'est un peu long quand même. C'est un peu long, c'est un peu trop calme. Ouais, c'est un peu calme quand même, hein. Je m'embistouille un peu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le jeu, si c'est bien ce que je fais d'envoyer, de jeter mes armes. Parce qu'autre façon, une fois que, par si c'est vraiment, par s'ils sont vraiment utiles et puis qu'ils sont vraiment déjà améliorés, mais là. Première descente, tu m'as sauvé, je pensais que j'allais finir mes jours dans cet endroit maudit et mon apprenti qui t'a envoyé. Nous avons besoin de plus de gens braves et courageux comme toi. Entends-nous, ok. Nous trouvons un coffre. Et des bottes. Des bottes bleues, par contre. Là, je dis pas non pour les bottes bleues, désolé. Là, et j'ai gagné. Voilà. Quête. Ok. Victoire, 57 sur 57. Étage nettoyé, 3. Ok, prendre. Que penses-tu? Je suis prêt pour la bataille. Prends
Prêt pour la guerre. Ok, je suis d'accord. Ok. Ok, d'accord. Bon bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. Donc c'était le jeu RPG. Donc dites-moi si en commentaire si vous en voulez plus, mais je pense pas que j'en ferai plus. Ou je verrai, je ferai peut-être une deuxième vidéo pour avancer, pour voir s'il y a des boss ou quoi. Donc comme le lutin. Si on peut voir améliorer un peu le camp, tout ça. Puis voilà. Donc à la prochaine les gens, c'était The Phoenix. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification. Et à la prochaine.